Alors voilà, je zoome en arrière avec Alt roulette, je zoome en arrière sur le document. Bien. Alors, quand je fais commande majuscule sur le Mac, contrôle majuscule et que je clique sur la page ici, rien ne se passe parce que je pense que quand on avait créé le nouveau document, ceci n'était pas coché. Mais testez, peut-être que chez vous c'était coché, bloc de texte principal. Et à ce moment-là, quand vous faites un contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac et que vous cliquez là, sur la page 1, un peu n'importe où, même sur le bord, voilà, il devrait peut-être y avoir un bloc qui apparaît. Dites-moi si chez vous il y a un bloc qui apparaît. Bon, rien n'apparaît chez vous, c'est très bien. C'est pas grave parce qu'en fait c'est juste une facilité. On va aller mettre le bloc sur les pages. Les blocs en fait, parce qu'on a affaire à un gabarit double page. Donc on va aller double-cliquer sur le gabarit A, puisque vous voyez que toutes les pages du document utilisent le gabarit A. On va aller double-cliquer sur le gabarit A. Vous double-cliquez. Vous devriez, et là vous vérifiez, voir en bas à gauche de la fenêtre du document, vous devriez voir qu'il est inscrit à gabarit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que certains stagiaires, quand on leur demande de double-cliquer sur le gabarit, ils cliquent simplement. Ils ne sont pas allés dans le gabarit. Ils sont toujours en train de travailler sur les pages du document. Donc il faut vraiment double-cliquer sur les pages du gabarit. On pourrait les faire plus grandes aussi, mais je ne vais pas le faire maintenant. Et vous voyez le gabarit qui apparaît.